le patrouilleur Roger qui sauve la galaxie. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. Quand tout devient supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Ce retouche devient parfait, parfait, parfait. C'est génial! Roger! Je me balance en premier. Moi, je te pousse. Hé, le pneu a disparu. Oh, regarde. Est-ce qu'il reste un peu de corde? J'espère. Viens, allons voir. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robo, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robo. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est maman. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robo, les T-Robo. Réparobot, débarobot, rico-robot, costo-robot. Alors, quel robot il vous faut? Wow. On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Voilà l'objet étrange que notre ami terrien a appelé un pneu. Si on l'a attaché à une corde, c'est qu'il devait être incontrôlable. C'est sûrement très dangereux. Chef, je pense que c'est une mission idéale pour Rover. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Et puis, je ne pense pas que ce soit dangereux, dit Corobo. Nos amis terriens voulaient s'en servir pour se balancer. Je me demande comment ça fonctionne. C'est bizarre, ça ne bouge pas. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, oui parfait. Carte mère, mission du jour. On va réparer le pneu, comme ça on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, réparer le pneu. Faisons vite comme une météorite. Dico Robot, montre-nous des pneus en action. On trouve des pneus sur les voitures, les vélos et les tracteurs. Normal qu'ils ne puissent pas se balancer sur le pneu. Il manque la partie la plus importante, celle sur laquelle s'asseoir. Il faut absolument leur fabriquer un siège. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux retenir? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut vraiment tout construire. Brico Robot, activation. Brico Robot, à votre service. Bienvenue à cette mission, Brico Robot. Pourrais-tu fabriquer un siège pour ce pneu? Aïe! J'ai exactement ce qu'il nous faut. Bricolomus, Maximus, Valosimus! Wow! C'est fantastique, Bricorobot! Et admirez un peu la finition! Un porte-gobelet!
Faisons tout de suite un essai. Bouclage de la ceinture de sécurité. À toi, Robert. Tu vas bien? Je suis en pleine forme, Robert. Brico Robot, moi c'est Roger. Je comprends mieux. Pourquoi tu n'as pas de queue? Il faut qu'on découvre pourquoi la balançoire pneu ne fonctionne pas. Bien vu, Rover. La corde s'est enroulée autour du siège. Enlevons-la. Ce nœud est trop serré, je ne peux pas le défaire. Le mieux ce serait de couper la corde. Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre les signés? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut tout réparer. Répa-robot, activation. Répa-robot, à votre service. Bienvenue à cette mission, Répa-robot. Il faudrait que tu nous débarrasses de ce nœud. Oh, vous avez appelé le bon robot, chef. Il n'y a pas un seul nœud qui me résiste dans toute la galaxie. À part celui-ci. Bon, j'aurai essayé. Je ne peux rien faire sans outils. Allez, retour au vaisseau. Une bonne tasse d'huile de moteur et un biscuit cosmique ne seraient pas de refus. Niam, niam. Répa-robot, tu n'aurais pas quelques outils sur toi qui pourraient nous servir? Mais oui, où avais-je la tête? J'ai tous les outils qu'il faut. Heureusement que c'est vous le chef, chef. Mon super rayon laser lunaire. Je vous coupe cette corde en deux temps trois boulons. Et voilà qui est fait. Récorobot en position pour l'essai numéro 2. Démarrage de la poussée. Wow, une seconde. Quelqu'un doit pousser. Exact. As-tu une autre solution, Répa-robot? Puisque vous le demandez, chef. Carte-mère, envoie-nous un électromoteur numéro 9. Le modèle de course, si possible. Répa-robot, cet électromoteur a l'air très puissant. Chef, dans mon équipe de course de l'école des outils, on disait toujours: fais preuve de rapidité ou tu seras toujours bon dernier. Et activation. J'avoue que le modèle de course était peut-être de trop. Il faut qu'on arrête ce turbo-pneu avant qu'il ne détruise toute la planète. Wow! Nom d'une fusée! Ce pneu est impossible à attraper. Ce qui explique pourquoi on l'avait attaché avec une corde. Tu viens de me donner une idée sidéralifique. Tout d'abord, je vais faire un lasso. Ensuite, je devrais m'approcher du pneu. Chef, si l'on se fie à mes calculs, c'est impossible. À moins d'être équipé d'un genre de fusée. Activation des fusées de patrouille. Dans 3, 2, 1... Oh, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Je te tiens. Oh, oh, je crois que c'est lui qui me tient. Répa-robot, éteins l'électromoteur, vite. Tout de suite, chef. Qu'est-ce que tu dis, Rover? Il y a une corde dans l'arbre? Nom d'une pluie de comètes! Sans toi, je n'aurais même pas remarqué! Dico Robot, montre-moi ce qui se compose d'une corde et d'un pneu!
Une balançoire pneu. Voilà comment nos amis terriens s'amusent avec le pneu. Ils se balancent d'avant en arrière au bout d'une corde. Bricorobo, peux-tu fabriquer plus de cordes? Tout de suite, ô chef sidéralissime. Bricolomus, Maximus, Cordimus. Parfait, Bricorobo. Wouhou, génial! Voici un pneu super sidéralifique et idéal pour se balancer. Hourrah! Oui! Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. Ouais! On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Waouh! Qui a réparé la balançoire pneu? Le patrouilleur sidéral Roger. C'est vraiment super. Merci, Roger. C'est sidéralifique. La galaxie m'appartient. Conduis-moi à ton chef. Je suis... Sœurette, joue au maître de la galaxie avec moi. Tu abîmes tous mes jouets. Même ma poupée ne parle plus. Le robot aussi est cassé. C'était un accident. Si seulement je savais les réparer. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robo, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robo. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robots. Réparobot, alors, quel robot il vous faut? Wow. On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Chef, quelque chose d'horrible a détruit cette partie de la planète. Et si on était les prochains? Je pense que c'est une mission idéale pour Rover. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. En plus, on sait que c'est par accident que le terrien a cassé ces objets qu'il appelle des jouets. À cause de ça, il ne peut plus jouer avec sa coéquipière surnommée Sœurette. Ça, c'est une mission supersonique. Mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait. Carte mère, mission du jour. On va réparer les jouets, comme ça on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, réparer les jouets. Faisons vite comme une météorite. Comment est-ce qu'on va pouvoir réparer tous ces jouets? Chef, si l'on se fie à mon analyse, ces jouets sont bons pour la poubelle. Un patrouilleur ne jette pas les objets. Il les recycle afin que tout soit parfait.
Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux on engage. Il y a un robot pour ce boulot, c'est un as du recyclage. Des vos robots, activation. Bienvenue à cette mission, Dévorobot. Il faudra que tu recycles ces jouets cassés et que tu en fasses de nouveaux. Déchets! 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 Dévorobot, ce jouet est vraiment... formidable! Nom d'une fusée, Rover, c'est vrai! Il faut qu'on trouve le moyen de l'animer! Comment est-ce qu'on va faire ça, chef? C'est impossible! Il n'y a rien d'impossible pour un patrouilleur! Surtout quand on a de super robots! Il y a sûrement un robot pour ce boulot! Il y a un robot pour ce boulot, le fait d'entre dessiner! Il y a un robot pour ce boulot, il peut tout réparer! Répa-robot, activation! Répa-robot, à votre service. Go! Répa-robot, il faudrait que tu essaies d'animer ce jouet. Non, désolé, chef. Impossible. Pas sans outils. Enfin, bref, on aura essayé. Retour au vaisseau. J'ai bien mérité un bon verre d'huile bien fraîche. Répa-robot, pourquoi est-ce que tu ne te sers pas de tes outils? Une minute. Je pense à quelque chose. Et si je me servais de mes outils? Bonne idée, Répa-robot. Je vais vous animer ça en deux temps trois boulons. Carte mère, envoie-nous un électromoteur numéro 9. Le modèle de course, si possible. Et... Ah oh. Merci. Répa-robot, cet électromoteur a l'air très puissant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? S'il y a bien une chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est que rien n'est jamais trop puissant. Oh. Tenez-vous bien, vous allez être époustouflés. Activation. La galaxie m'appartient. Si on jouait à la dinette. Nom d'une pluie de comète! Ce jouet a perdu la tête! Répa-robot! Répa-robot? Mais où est-il passé? Mille milliards de trous noirs! Répa-robot est retenu prisonnier par le jouet! Tu es mon prisonnier. J'adore jouer à la dinette. Pas sûr que j'aime trop ça. Répa-robot! Est-ce que tu peux l'éteindre? Oui, simple comme bonjour, chef. Je n'ai qu'à utiliser la télécommande à distance super pratique de l'électromoteur. Que je ne peux pas atteindre parce que je suis prisonnier du maître de la galaxie. J'adore les câlins. Comment allez-vous? Il faut qu'on libère Répa-robot pour qu'il puisse éteindre le jouet. En avant toutes! La galaxie m'appartient. Soyons amis. Et maintenant, elle a aussi des vos robots. Une banane. Déchets. Ah, il me court après. Il capture tout ce qui bouge. Dico Robot, tu viens de me donner une idée super sidéralifique. Il nous faut un robot que le jouet essaiera de capturer pendant qu'on libère notre équipe. C'est un plan fantastique, chef. Je propose Rover. Ben quoi? J'ai jamais aimé être capturé. Il y a un robot pour ce boulot. Mais c'est nous qui allons le créer. Allez les robots, prenez des pièces. Voilà, terminé. Allez, Dico Robot, aide-moi à le pousser. Rover, tiens-toi prêt à tirer. La galaxie m'appartient.
Dépêche-toi, Réparobot. Je prends la télécommande et j'éteins tout de suite ce jouet. Une banane. Chef, il arrive. Si l'on se fie à mes calculs, il n'a aucun moyen de lui échapper. À moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas. Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille. Dans 3, 2, 1... Ah, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Bien joué. Maintenant, Réparobot, éteins-le. Déchets. Cette fois-ci, on a eu chaud. Réparobot, tu peux rallumer le jouet si tu veux. Mais avec un peu moins de puissance. Aussitôt dit, aussitôt fait, chef. Je suis le maître de la galaxie. Câlin. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. Déjà ! On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Nos jouets sont réparés. Et il y en a même un nouveau. La galaxie m'appartient. Wow, le signe du patrouilleur Roger. Génial. J'adore les câlins. Merci, Roger. C'est sidéralifique.